On dit que l'erreur est humaine. L'actrice humoriste et chroniqueuse française, Nicole Ferroni, a dit « L'avenir de la vie, c'est la mort. » Et moi, je dis « L'avenir de la mort, c'est la vie. » Il faut que la graine meure pour que la plante pousse. Après la mort, donc, vient la vie. Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la haute soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 68 de la série Monday Motivation. Dans la suite de notre terme, concevoir sa transformation professionnelle, je vais vous donner quelques conseils qui peuvent vous aider à rebondir après un mauvais choix de carrière professionnelle. Rappelez-vous que le développement professionnel de tout individu est avant tout une affaire de transformation personnelle. Le niveau de réussite d'un professionnel, d'un entrepreneur, d'un dirigeant ou toute autre personne à responsabilité ne dépend pas du poste ou de la place que vous occupez. C'est intimement corrélé à l'état d'esprit. Toute transformation professionnelle, la prétendue, est d'abord une affaire de changement personnel. Pour avoir un résultat de transformation durable pour votre vie professionnelle, il est important d'identifier votre pourquoi. C'est la base de tout. Alors, que faire quand on se trompe de choix de carrière? L'avenir de la mort, c'est la vie. Quel sens cette citation a pour vous? Voici le sens que ça a pour moi. Si dans un présent ou un proche passé, nous avons commis une erreur qui fait que nos choix n'ont pas été justes pour avoir la réussite, il n'est pas nécessaire non plus de l'emmener avec nous dans notre futur. Faire mourir nos regrets pour faire vivre l'avenir. Pour qu'une plante pousse, il faut mettre la graine en terre. La graine meurt et un germe pousse et donne un grand arbre. Pour qu'il y ait un papillon, il faut que la chenille meure. La mort peut donc faire renaître la vie. Après un mauvais choix dans votre transition professionnelle ou d'affaires, j'aimerais vous dire que rien n'est perdu. Vous avez toutes les ressources en vous pour revivre autrement. Comment est votre état d'esprit actuellement? J'aimerais vous dire que ce n'est pas le temps de lâcher. Avec un peu de persévérance, de la patience, quelques bonnes personnes pour vous aider à prendre soin de votre projet, vous y arriverez. Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, beaucoup de gens se trompent de voie professionnelle. La première cause est le regard des autres. Et la deuxième, le besoin d'approbation. Vous n'êtes pas la première et pas la dernière non plus. Si vous êtes en plein débat mental en vous posant la question « Pourquoi j'ai accepté ce travail? Qu'est-ce que je fais là ?» Je n'aurais pas dû choisir cette filière-là, c'est la faute de ma mère, ne vous inquiétez pas. Voici 5 conseils qui peuvent vous aider à vous en sortir. Conseil 1. Si vous sentez que vous tournez en rond dans votre métier, vous n'avez aucune motivation, aucune passion, osez. Je dis osez dès aujourd'hui prendre la route du changement. Il y a une grande différence entre se décider et faire. Vous avez aujourd'hui pour commencer à faire. Peut-être vous devez aller voir un coach, demander des conseils auprès de gens qui vous aiment et qui sont prêts à vous aider sans vous juger. L'action, c'est maintenant et soyez honnête avec vous-même. Conseil 2. Vous avez pris conscience de votre situation actuelle. Vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé depuis très longtemps. Vous devez commencer par travailler sur vos blocages, sur vos peurs et surtout sur le regard des autres et la comparaison avec les autres. Pour ne plus commettre les mêmes erreurs, vous avez besoin de changer les manières de faire. Questionnez-vous, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix et qu'est-ce que vous devriez changer et que vous n'avez pas encore changé?
Passez à l'action. Conseil 3. Travaillez sur vos valeurs. Vos valeurs, c'est la clé pour ouvrir les portes de votre succès professionnel. Elles permettent aussi de trouver vos passions et tout ce qui a du sens pour vous. Souvenez-vous que personne n'est là par hasard et que nous pouvons vivre de notre passion. Tout le monde ne va pas se décider. Mais c'est une fausse croyance de dire que nous ne pouvons pas tous vivre de notre passion. Qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est la question à poser. Conseil 4. Pardonnez-vous, prenez la décision de changer votre état d'esprit. Et si vous voulez vraiment réaliser votre grand rêve, faites-vous accompagner par un coach. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'un coach, mais travailler avec un coach peut être un moyen plus rapide et plus simple d'évoluer. Conseil 5. Découvrez votre marque personnelle. Faites votre déclaration personnelle d'objectif et appliquez-vous. Ne laissez pas les erreurs du passé vous faire perdre l'espoir de réaliser votre grand rêve et fait naître en vous un futur incertain. Tant que vous vivez et que vous le voulez vraiment, la possibilité de réaliser ce que vous voulez réaliser est toujours existante. Vous avez besoin de faire un changement de votre système de pensée et prendre la décision de changer les choses. Ce ne sera pas facile, mais pas impossible. C'est la fin de cet épisode numéro 68 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Merci de l'avoir suivi. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme l'excellent week-end. C'était Padler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel des personnes accrues et co-auteur du livre Devenir parfois moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Gratitude pour vos feedbacks, vous êtes le sens de ce que je fais. Mon plus grand désir, c'est de voir chacun de vous en train de réaliser vos rêves les plus chers et les plus fous. Vous êtes capable et je crois en vous. Si vous aimeriez réaliser votre transformation professionnelle, passer l'étape de la survie professionnelle vers un épanouissement exponentiel de votre vie professionnelle et vivre enfin le rêve qui va changer votre trajectoire, j'ai deux offres de coaching de transformation professionnelle pour vous. Une pour les débutants et l'autre pour les plus avancés. Si vous êtes intéressé, contactez-moi via le lien de mon agenda en ligne que je mets dans la description de cette vidéo ou vous pouvez m'envoyer un email à contact@fcelestin.com. Vivre, aimer et devenir. C'est ce que je souhaite pour vous. Soyez des gens passionnés. Enfin, soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et excellente semaine à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show Monday Motivation. À bientôt. Bye.